Hop, et on reprend. Donc, toutes ces joyeusetés, on disait qu'on a du Nazgûl, on a du Gob, on a la communauté de l'anneau, on a un troll et un balrog. Si on veut essayer de faire quelque chose de tout ça, eh ben, il est temps de découvrir la trompette. Alors, on commence par les pièces en métal. Pour éviter que celles qui ne le sont pas se fassent écraser. Et bon, je démontrerai la deuxième aile hors caméra. Et là, on va balancer tout le reste. Le balrog ira dans un conteneur plus gros. Voilà. Hop, ton socle, il peut y aller. Toi aussi, toi aussi. Tout le monde à la baille. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Glanzer, c'est une magnifique potion magique qui se trouve à 3 euros chez Leclerc, qui est un décapant industriel. Enfin, décapant ménager, je ne sais même pas pourquoi je dis industriel. On peut mettre les figurines en plastique et en métal là-dedans. Moi, j'ai l'habitude de les laisser une nuit et puis de décaper le lendemain. Parfois, il faut faire des mains successives. Parfois, magie, ça marche en une fois. Là, en l'occurrence, les figurines sont sorties en 2003. Le propriétaire avec lequel je vais jouer une fois que j'aurai ressuscité ces figurines. Bah les a eues quand elles sont sorties. Donc, à mon avis, il va falloir plusieurs bains. Et sur la partie métallique, il va falloir probablement même y aller à l'acétone. Voilà, bah, la suite au prochain numéro.